traces de notre homme ? Non, mais il y a beaucoup de tuniques rouges. Je sais, j'en ai vu aussi. Ta tête est mise à prix chez les Britanniques. Pourquoi s'aventurer si loin dans leur propre territoire ? Ça m'étonnerait qu'ils s'attendent à me voir si loin vers le nord. Et puis, de toute façon, je n'avais guère le choix, reconnais-le. Il y a longtemps qu'ils devraient être là, on ne va pas attendre jusqu'à Noël. Mais si, s'il le faut, je dois me conformer aux ordres. Ce beau Marchais est un homme fameux en Europe et de plus un homme très respecté, mais j'ignorais qu'un tel individu était aussi sympathique à notre cause et qu'il soit agent secret aux colonies. Si seulement les Britanniques pouvaient l'ignorer aussi. Benjamin Franklin disait dans sa lettre « Montrez-vous prudent et ne l'offensez pas, c'est un homme important pour la Révolution. » Mais il ne disait rien sur l'objectif de sa mission ni ce que nous venions faire là-dedans. Non. Théâtrale Beaumarchais. Tu parles d'un agent secret. Comme c'est mauvais. Il va falloir du travail, beaucoup de travail. Et encore si je décide de les garder. J'ai la conviction d'avoir l'honneur de m'adresser au fier et glorieux Daniel Boone. Et vous-même, monsieur Beaumarchais. Chez. Beaumarchais. Et c'est cela. Bien. Voilà, nous sommes là. Vous êtes le vivant portrait de votre légende, monsieur. Compagnie, pied à terre. Je commençais à me faire du souci à votre sujet. Vous êtes bien en retard. Je comprends mes songes également à moi, essayant de rassembler des acteurs. Il ne faut guère se fier à cette affiche sur le chariot en direct de Paris. C'est exagéré, je l'avoue. En fait, j'ai dû tous me les procurer là-bas au Québec. Et le Québec de nos jours n'a que fort peu de talent. Quoi, vous songeriez à emmener ces gens avec nous et à voyager en chariot? Mon cher ami, j'ai songé à ce chariot afin de transporter les comédiens, ainsi évidemment que les costumes et accessoires de scène. Oh, ne craignez rien, il est avec moi. Est-ce que c'est... C'est bien vrai, je le vois, je vais voir de près un de ces êtres. Mais ce n'est pas vrai, moi je vais enfin voir un authentique sauvage. Oh, puis-je le toucher? Superbe, fantastique. J'espère qu'il a un nom, monsieur Boone. J'en ai un, monsieur. C'est Mingo. Il sait dire son nom, il a compris ce que j'ai dit. Et puis avec quelle primitive dignité il a dit ça. J'en ai un, monsieur, c'est Mingo. Oh, dommage qu'il n'y ait aucun rôle convenant à ce jeune homme dans mes pièces.
Quelques répétitions et un léger fond de teint, je me sens bien capable de vous interpréter le rôle de Figaro. Il connaît mes pièces. Non seulement je les connais, monsieur, mais j'admire leur trame. Par-dessus le marché, j'en ai rencontré un qui a du goût. Les enfants, approchez que je vous présente ces extraordinaires hommes des bois. Mais on a des choses à discuter. Allons, dépêchez-vous. Voici une de mes découvertes dont je suis très fier d'ailleurs, et ce à tel point que j'ai songé à une longue association avec cette désarmante petite créature, mademoiselle... Brillant, monsieur. Bien sûr, il vaut mieux encore vous connaître sous le nom que bientôt l'Amérique entière va avoir sur les lèvres, en tant que la pure et ensorcelante Suzanne. Je suis enchantée, messieurs. Ravie, mademoiselle. Excusez-moi, quand pourrons-nous discuter? Celui qui veut la séduire, mieux connu sous le nom du comte Almaviva, le magnifique, le formidable, le modèle de tous les amoureux. Vous devriez améliorer quelque peu votre personnage. Il laisse encore à désirer, vous savez. Mais avec le temps, n'est-ce pas, tout peut arriver. Si vous en êtes convaincu, monsieur. Figaro et mon vieux Bartolo. Il faut qu'on discute. Bien entendu, je suis à vous. Les enfants, vous pouvez y aller, je meurs de faim, je ne dois pas être le seul. Et qu'est-ce que vos comédiens savent au juste? Si vous pensez à vous deux, rien, si ce n'est que nous devions prendre un guide. Je ne suis pas un novice dans ce métier de fou, monsieur Boone. Remarquez qu'à aucun instant je n'ai prononcé votre nom pendant cette introduction. Il ne se doute pas du vrai but de notre petit voyage en Amérique du Nord. Et lorsque je les ai engagés à Québec, je leur ai simplement dit, mais d'une manière bien anodine, je le jure, que j'avais quelque autre raison et que c'était tout à fait personnel. Mais aucun d'entre eux n'a fait preuve de la moindre curiosité et n'a cherché à apprendre cette raison. Dites, ils ont tous accepté ça? Tous les quatre. D'ailleurs, je vous assure que quel que soit l'acteur et la situation dans laquelle il se trouve, il n'y a que trois choses qui l'intéressent. Lui-même, son pauvre petit rôle, et lui-même à nouveau. Je l'espère. Bon, de toute façon, il est trop tard pour échanger quelque chose. Il vaut mieux filer rapidement. Les Britanniques peuvent nous tomber dessus et nous créer des problèmes. Non, vous oubliez qu'ils ne verront que cette joyeuse et enchanteresse façade. Monsieur Beaumarchais... J'avais cru que c'était une mission secrète dont on me chargeait. Mais oui, bien sûr. Oui, bien sûr. J'avais cru aussi que vous deviez m'expliquer les détails de cette mission. À votre service. Je dois me rendre à Norfolk, en Virginie. Et vous devez m'y conduire, voilà. Moi, par contre, j'ignore toujours ce que tout ça signifie. C'est une façon de déjouer la surveillance britannique. C'est en outre un excellent moyen de régler la grosse question du transport. De vos acteurs. Non, suivez-moi. Après vous, messieurs. Le coffre au costume. Je vous en prie, videz-le, monsieur Boone. Je vois un double fond. Exactement, soulevez-le. Des lingots d'or. Mais oui, de l'or. Et c'est ce joli petit magot que nous devons livrer en Virginie. À quoi l'or doit-il servir? Mais pour des mousquets, de la poudre et des canons. Il y a un navire au port actuellement chargé de toutes sortes d'armes, mais si nous n'atteignons pas la ville de Norfolk d'ici une semaine, son capitaine doit faire voile vers d'autres rivages avec sa précieuse cargaison. Ou s'il est plus qu'impérieux de se dépêcher. Là-dessus, je suis d'accord avec vous. Nous ferions mieux de ne prendre que les bêtes et d'abandonner le chariot et tous les accessoires. On mettrait l'or dans les sacoches et on prendrait les raccourcis. Pas selon mon opinion. L'or est trop lourd pour les chevaux. Monsieur Beaumarchais, vous pensez aux acteurs? C'est notre sauvegarde aux yeux de l'armée britannique. Vous n'avez rien à craindre, messieurs. On me dit un expert dans l'art de ridiculiser l'ennemi. De toute façon, d'après les ordres reçus, je suis à votre disposition. Il n'est donc pas question de se disputer à ce sujet. J'en suis heureux. J'ai confiance en vos talents d'éclaireur. Ayez confiance aussi en ma façon de diriger mes affaires.
Monsieur Beaumarchais. Monsieur Boone, tous les deux sommes de milieux aux cultures différentes. Et il est bien évident que nous avons des caractères, je dirais, presque opposés. Mais nous partageons, j'en suis sûr, notre amour de la liberté et notre admiration pour cette jeune nation qui lutte au nom de cet idéal. Donc, faisons abstraction de nos légers différends. Et exploitons notre mutuelle passion pour la liberté. Monsieur Beaumarchais, là, je suis d'accord avec vous. Et maintenant, voyons un peu quelle surprise on nous réserve là. Et du pâté de foie gras, des haricots verts, et enfin, un délicieux canard à la Beaumarchais. Monsieur, voici votre vin. Imbécile! Vous venez de me verser du château Yquem. Un château Yquem avec du canard? Oh! Un enfant ne ferait pas cette bêtise! Mille excuses, messieurs. Cette impardonnable stupidité doit être aussi désolante pour vous que pour moi. C'est avec des soins infinis que j'ai fait transporter ces grands vins. C'est même moi qui m'en suis occupé. J'ai veillé sur toutes ces futailles, telle une poule sur ses poussins nouveau-nés. J'ai veillé avec tant de soin à ce que les rayons du soleil ne viennent pas une seconde me les abîmer, qu'elles ne subissent aucune secousse trop forte. Et pourquoi? Pour qu'un sombre idiot puisse nous servir en château Yquem avec le canard. Monsieur. Figaro. Ce sera une inoubliable mission. Du canard Beaumarchais? Oh non, merci. Oh, mais comprenez que j'ai 100 choses à avouer, des aveux importants qui ne souffrent aucun retard. Non, 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 où est ce feu, cette jeunesse du comte? On dirait que vous jouez Bartolo, le vieux birde. Vous rendez-vous compte que vous êtes avec cette charmante enfant, Suzanne? Merci de votre aide, chérie. Mais c'est naturel. Monsieur Mingo, faut-il à tout prix que nous voyagions à une vitesse telle que l'on se croirait poursuivi par tous les démons qui hantent les cavernes de l'Hadès? Mais on ne sait jamais ce qui peut arriver, il vaut mieux se montrer prudent. On ne sait pas sur qui on peut tomber. Comme par exemple des Indiens. Nous allons reprendre de notre mieux toute la scène. Une troupe de théâtre ambulant dont le seul objectif est l'amélioration de son art. Vous êtes bien d'accord? Oh, oui. Et voilà que notre bonne étoile nous offre providentiellement notre meilleure chance. Dans 2 ou 3 minutes, nous aurons des visiteurs devant lesquels, mes enfants, une petite comédie improvisée va être jouée. En tant que votre directeur, je n'ai qu'une chose à vous recommander, c'est de placer un voile d'ignorance sur toute chose ou tout individu, sur vraiment tout. Ce qui n'est pas notre mission la plus sacrée, apporter la culture à cette contrée sauvage. Thank you.
qu'est-ce donc? Êtes-vous Monsieur Beaumarchais? Cela semble assez évident. J'ai ordre d'arrêter de fouiller tout véhicule circulant dans cette région. La guerre a été déclarée entre le gouvernement de Sa Majesté et ses colonies. Il est bien sûr que je suis au courant de votre guerre, mais vous aussi vous êtes au courant que je suis du pays de France, neutre et impartial. Je suis à la fois directeur et acteur de théâtre, et également un ami de Sa Très Gracieuse Majesté, Louis le XVIe. Néanmoins, j'ai des ordres formels à suivre. Allons, vous voyez qu'on est une compagnie de théâtre, acteurs et chanteurs, apportant la culture à cette primitive et sauvage contrée. Vraiment rien à voir avec vos colonies. Je tiens malgré cela à ce que vous autorisiez mes hommes à effectuer la fouille de votre chariot. C'est très bien, je les y autorise, mais j'en éprouve une grande affliction. Je veux également voir vos associés, chacun d'eux. Les enfants? Ce brave homme d'officier britannique veut vous voir. D'abord, mon conducteur, et vous le voyez, c'est un Indien. Et puis, voici mon étoile. Bonjour. Suzanne. Ensuite, mon Figaro. Monsieur. Mon Almavida. Enfin, mon Bartolo. Voilà, officier. Ils sont tous là. Laissez passer. Nos draperies, tentures et rideaux de scène, indispensables et méfiez-vous, je vous prie, irremplaçables. Major, cette caisse est bien lourde pour de simples rideaux. Des gueuses de fonte, pour tenir en place les décors avec cordes et poulies. Vous avez la parole d'un Français et d'un homme d'honneur. Ouvrez-la. Bien des gueuses. Allons. Pour cette fois, je veux bien accepter vos excuses, Major. Monsieur Beaumarchais, des excuses ne seront pas nécessaires, je ne fais que mon devoir. Et cet Indien, où l'avez-vous embauché? Au Canada. Vous serez peut-être surpris d'apprendre qu'en France, nous avons de l'admiration pour la noble race indienne. Lui, bon avec moi. Lui, me donner grande nourriture. Ça va, à cheval tout le monde. Dites-moi, Major, pouvez-vous ordonner à vos hommes de remettre la caisse en place là où ils l'ont trouvée? Je vous en prie. Remontez-moi ça. Major, je vous remercie. On repart. Très volontiers que si ce n'avait pas été de notre façade d'une compagnie théâtrale ambulante, la visite de ce major britannique aurait sûrement tourné au désastre, ce qui n'aurait guère aidé notre cause. C'est vrai, monsieur Beaumarchais, mais s'il avait voulu examiner le bon coffre. Si, non, monsieur Boone. Un agent secret doit avoir une certaine désinvolture. Il va vous falloir le sabre de l'aventurier, le goût du risque, du danger, si vous voulez réussir dans ce métier sans souffrir de ses contingences. Je dois quand même aller faire une ronde. Non più andrai, barbolone amoroso, notte e giorno intorno girando. Delle belle turbando il riposo, Narcise tua doncino d'amor. Delle belle turbando il riposo,
Narcisse, toi, Vodino d'amour. Oh, bravo. Bravo. Quelle voix magnifique vous avez. Vous êtes d'accord, hein, Suzanne? Oh, ça, c'est vrai, quelle voix. Une ou deux répétitions et je crois qu'il arrivera à prendre ma place. Oh. Oh oui, mais ce serait difficile. Reprendre Figaro demande beaucoup plus que de savoir chanter. Ça demande parfois d'être un fin renard et une franche canaille. Un peu ce qu'est Beaumarchais, par exemple. Oui, Beaumarchais, lui, est tout ça. Et il est charmant et il a du talent. Tout ce que je ne suis pas, quoi. Je vais vous dire ce que vous êtes. Vous êtes ennuyeux à mourir. Et vous, vous êtes une coquette. Bonne nuit. Allez-vous-en ! Lâchez-moi ! Mais lâchez-moi ! Espèce de sale brute ! Faut-il être assez goujat pour oser entreprendre une jeune fille contre son goût et sa volonté? Mais elle ne voulait pas se défendre, simple coquetterie de toutes les femmes. Comment pourriez-vous le savoir? Comment pouvez-vous vous en souvenir? Il a de l'esprit, mais il n'a aucune élégance. Venez, ma chère. S'est pas enfui les mains vides. Il a dû partir avec le lingot d'or pendant la nuit. On ne pourra jamais le rattraper. Non seulement un mauvais acteur, mais également un vulgaire voleur. À première vue, ça semble évident, mais il ne faudrait pas s'y fier. Il aurait pu nous voler plusieurs lingots d'or. J'ai peur d'avoir de la difficulté à vous suivre, monsieur. Réfléchissez. Messieurs. Avec cet or, monsieur Beaumarchais, il a une preuve flagrante qu'on est loin d'être une simple compagnie de théâtre. Un espion de sa majesté britannique? Ça, non, j'en doute. Mais s'il pense qu'il a un renseignement important, il essaiera de le leur vendre. Le Force Letter a une garnison et se trouve à quelques heures d'ici. Ils pourront nous aider. Mingo, tu connais le chemin? Sois prudent et rejoins-nous dès que possible. Nous, nous prenons la route de la montagne. Fais vite. Par la montagne, avec le chariot? S'ils s'en mettent à notre poursuite, ils n'iront pas nous chercher là. Ils croiront que pour le faire, il faudrait être fou et ils auront peut-être raison. Là, c'est toi qui as raison. Maintenant, monsieur Beaumarchais, assez discuté et au travail. On n'a que peu de temps.
Mais que faites-vous? Laissez ce feu. Oh, pas question de lever le camp sans petit déjeuner. Oh, je donnerais mes chevaux contre une branche de persil. Du persil. Mon cher Boone, j'ai été bon courtisan. Je suis musicien, j'aime les beaux livres. J'ai même construit des navires. Je peux être manœuvrier, comme financier. De plus et par-dessus tout, je suis amateur de bonne chair, un connaisseur, un fin gourmet. J'adore les escargots au beurre, alors que vous les écrasez du talon. En réalité, je suis, comment dire, sept hommes en un. Et en ce moment, tous les sept réclamons avec insistance d'avoir notre petit déjeuner. Je vois un huitième homme qui me semble avoir du cœur et que vous oubliez. Ah. Et cet homme que je suis fier de voir à mes côtés, c'est le patriote. On a besoin de cet homme qui me plaît, du patriote. Monsieur Boone, vous êtes un diplomate. Merci. Croyez-vous l'heure venue de dire à vos acteurs que ça tourne mal? Si vous me demandez de le faire, l'estomac vide, je m'élève. C'est impossible. Suzanne, Figaro, Bartolo, approchez-vous de la table. Le petit déjeuner est servi. Venez, les enfants. Nous continuons la tournée sans le Maviva. Il s'en est allé pour de bon ou pour de mal. Monsieur... Et plus tard, ma chère enfant. Les enfants, jusqu'à aujourd'hui, on a été de façon prosaïque une troupe de comédiens jouant des rôles de fiction. Cette fois, il est possible que nous dussions, et ce très bientôt, relever un défi tel que peu d'hommes en rencontrent de nos jours. Je fais appel à vous tous, non en tant qu'acteurs, mais en tant qu'êtres humains. En fait, j'en appelle à vos plus nobles instincts afin que vous protégiez cette grande mission qu'est la nôtre contre ceux qui voudraient voir s'éteindre la vacillante flamme du flambeau de la liberté allumée avec tant de courage au cœur de cette jeune nation. En faisant appel à vous, en faisant appel à votre aide, à votre bravoure, à votre foi en la fraternité humaine, nous avons décidé de vous faire prendre une part active à cette aventure exceptionnelle. Toujours un de ces lingots d'or quand vous traversez nos contrées sauvages. Mais, colonel, c'est seulement la preuve de ce que je vous ai raconté. Une troupe de théâtre, des baladins français faisant la contrebande de lingots d'or pour aider les pauvres forces des coloniaux. Mais oui, de l'or en barre, caché sous les costumes, je les ai vus de mes propres yeux. Il y en a pour des milliers de dollars. Ben voyons. Et si vous courriez, c'était dans votre hâte de venir nous offrir votre collaboration bénévole. Oui, bien sûr. Alors pourquoi couriez-vous dans la mauvaise direction? Oh, mais c'est parce que je m'étais perdu. Et vous dites que vous êtes acteur. C'est exact. Pour moi, vous devriez changer de métier. Pourquoi? Je suis bon acteur. Vous ne savez même pas mentir. Colonel, si vous vouliez seulement intercepter le chariot et le faire fouiller... Ma parole, là, j'admire votre effronterie. Vous, les coloniaux, vous vous imaginez vraiment que je puisse être assez bête pour tomber dans un tel piège? Mais je vous l'ai dit et je le répète, je suis canadien et non un de ces... Je n'ai qu'un petit effectif ici. Vous venez me dire de lancer une expédition qui laisserait cette place sans protection. On réfléchit avant de dire des âneries. Pour ce qui est du lingot d'or, je le garde. Propriété de sa majesté, ce qu'on appelle aussi une prise de guerre. Mettez-le moi au fer. Colonel, je vous aurais prévenu. Je suis sûr que Boone conduira l'or à destination et vous pleurerez de... Une minute. Boone? Daniel Boone? Ma foi, je l'ignore. Je ne sais pas le prénom de ce Boone. Décrivez-le moi. Eh bien... Très grand, bonnet de raton laveur, comme tous les trappeurs, habillé en daim. Savez-vous que dans l'armée britannique, celui qui nous donne de fausses informations risque de passer sa vie en prison? Oui, colonel, je suis au courant. Et si vous êtes un espion, c'est le peloton d'exécution qui vous attend. Bon, très bien. Indiquez-moi l'emplacement du chariot. Thank you.
route. Je suis le colonel Winthrop, du 1er grenadier de Sa Majesté. Enchanté. Je suis Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais. Fouillez le chariot! Où est Daniel Boone? Vous disiez, vous m'excuserez. Daniel Boone! Oh, désolé, aucun de mes comédiens ne porte ce nom-là, non? Cet homme affirme que Daniel Boone voyage avec vous! Oh, celui-là, c'est un crétin congénital. Vous a-t-il dit que je l'avais renvoyé de la troupe? C'est faux, je vous ai laissé tomber. Je proteste, c'est la deuxième fois que je suis obligé de subir en silence une telle indignité et de tels inconvénients des soldats de l'armée anglaise. Que croyez-vous trouver dans ce coffre? Peut-être une belle fille? Nous cherchons une chose plus sérieuse, monsieur Beaumarchais. Et quoi? De l'or. De l'or passé en contrebande. De l'or, c'est merveilleux. Est-ce que je voyagerais dans ce pays sauvage si je possédais de l'or? Vous croyez que j'aurais renoncé au grand boulevard de Paris si j'avais de l'or dans ce coffre? Est-ce elle votre Daniela Boone? Daniel Boone. Ou peut-être mon Figaro. Peut-être pourrait-il être votre Daniela Boone. Faites-moi voir vos mains. Où est Daniel Boone? Je ne connais aucun Daniel Boone. Et vous? Non, monsieur, non. Avez-vous trouvé cet or? Non. Il n'est plus là. Dites-moi un peu, selon vous, lequel des hommes présents serait votre Boone? Aucun d'eux, colonel. Il n'est pas là, mais je l'ai vu. Il était avec l'Indien. Très bien. Où est donc l'Indien? J'ignore où il se trouve. Il semble qu'il y ait des tas de choses que vous ignoriez. Donc, Daniel Boone s'est évanoui, puis c'est l'Indien qui s'est évanoui, et enfin l'or aussi s'est évanoui. Mais il se trouvait là. Ils ont peut-être pensé à le cacher autre part. Sergent, mettez ce monsieur aux arrêts. Et colonel, il est tout à fait regrettable que vous et les miens ayons souffert de telles vicissitudes à cause de ce jeune abruti. Partageons les joies d'un bouquet issu de mes vignobles natales à l'amitié et à l'armée anglaise. Si j'étais un soldat, je serais fier d'avoir le grand honneur de servir sous vos ordres. Ah, j'espère que l'on n'a pas cassé mes verres de cristal. Ah, et si vous voulez me faire l'honneur, mon vieil ami que j'ai fait transporter jusqu'en ces forêts depuis Paris. Ah.
À votre santé. À la vôtre, colonel. Il est délicieux, monsieur Beaumarchais. C'est incroyable. Enfin, vous maintenez être seulement un groupe ambulant de comédiens. Bien entendu. Vous n'avez aucun intérêt dans la rébellion et aucune sympathie pour l'un ou l'autre camp. Oh non, la culture ne saurait connaître de frontières. D'accord. Cependant, j'ai bien peur de devoir vous retenir quelques heures. Je vais envoyer une estafette au général Gates. C'est à lui de prendre les dispositions nécessaires vous concernant. Mais nous avons une représentation prévue jeudi à Portsmouth. Regrettable. Il ne reste qu'une heure de clarté. Il vaut mieux camper ici et attendre que le général réponde. Est-ce que ça prendra du temps? Se rendre à son quartier général et revenir. Environ 12 heures. C'est tout à fait insultant. Toute guerre a son côté insultant, monsieur Beaumarchais. Oui. Oui, en effet, colonel. Dites-moi donc, qu'est-ce que ce délicieux mets, ça m'intrigue. De la vache. De la vache. J'aurais cru que c'était de la mule. C'est de la viande rouge, cher monsieur. Elle ne nécessite aucune sauce, sel ou poivre que vous, Français, mettez sur tout ce que vous mangez. Oh, mais c'est une simple question de goût et pas de viande. Et vous n'avez peut-être pas tort. Le goût est une simple question de géographie. Sergent Gresham, Monsieur Kego, Daniel Boone. La garnison de Fort Slater a été appelée en renfort et a rejoint le général Combe à Douglas Hill. Le lieutenant de garde au fort n'a pu nous donner que ces messieurs. Ça ne fait rien. L'or se trouve juste sous leur nez, quoique les Anglais l'ignorent. Et ils n'ont pas réussi à le trouver? Non, pas encore. Almaviva l'avait vu. Almaviva a vu où il se trouvait. Et non, j'ai eu l'idée de le cacher quand tu es parti. On est trop peu nombreux pour les attaquer de front. Ce qu'il nous faudrait, c'est... c'est une représentation, Mingo. Un peu de thé? Hein? Du thé? Oh, merci volontiers. Monsieur Beaumarchais, est-ce que le nez et le masque ont votre approbation, monsieur? Est-ce que le nez? Oui, pour la répétition générale dans les décors. Mais je viens de vous dire que... Vous avez dit en effet, monsieur Beaumarchais, qu'on avait la responsabilité d'apporter la culture à cette contrée sauvage. Mais j'ignore ce que ça vient faire ici. Et ce, au nom de la liberté... et du droit de la race humaine à l'égalité par le théâtre. Oh, vous voulez dire dans nos décors? Oh oui, bien sûr. Oh, décors et costumes. Figaro, pardonnez-moi, mon vieil ami, je suis d'une détresse, je voulais plutôt dire d'une distraction. Oh, je vous admire d'avoir cette dévotion à notre art. Si, je vous assure. D'ailleurs, je vais me changer sans plus tarder. Je vous prie, colonel, de bien vouloir m'excuser, mais mes comédiens ont un grand besoin de travailler leur rôle. Étant donné cette détention, essayons d'en profiter pour une dernière répétition avant jeudi. Merci, colonel, merci. Aux artistes. Thank you.
Colonel, messieurs, votre attention, je vous prie. Nous allons bientôt commencer. La scène se déroule au château du comte et de la comtesse Alma Viva. Figaro, le barbier, vient de recevoir, en récompense de sa loyauté, le poste de majordomo des mains du comte qui lui doit, entre autres, son mariage avec la comtesse. Quand la scène commence, notre héros est en discussion avec Suzanne, la suivante de la comtesse Alma Viva, qui est également sa fiancée. Son chant traitera d'un grand sujet bien d'actualité pour le gracieux auditoire devant lequel nous jouons. Il traitera des règles de la guerre. Soyez prêts, messieurs, au premier mot de Mingo, nous agissons. Non più andrai, farfallone amoroso, notte giorno ritorno girando, nelle belle turbando il riposo. Narciseto, aroncino, l'amor. Delle belle turbando il riposo. Narciseto, aroncino, l'amor. Non più avrai questi bei pennacchini, quel cappello leggero e gallante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesco color, quel vermiglio d'onesco color. Non più avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non più andrai farfallone amoroso, notte giorno intorno girando, delle belle turbando il riposo, narciseto aloncino d'amor. Delle belle turbando il riposo, narciseto aloncino d'amor. Bravo, vieni. Je dois voir le colonel immédiatement, c'est urgent. Il n'avait qu'à lui parler tout à l'heure. Je dois absolument le voir maintenant, il sera trop tard. Après. Que veux-tu lui dire? Les espions, ils sont là! Oh, attention, Daniel, un nuage s'annonce à l'horizon. On affrontera de noirs orages. J'ai bien peur qu'on soit forcé de se battre. Una marcia per il fango, per montagne e per valloni. Con le nevi e soglioni. Arrêtez cet homme-là! Saisissez vous de lui! C'est d'une tristesse.
C'est d'une tristesse. Notre petite représentation se déroulait si bien. Le chemin sera-t-il long d'ici notre destination? On devrait atteindre Norfolk au milieu de la matinée. Monsieur Boone, dans ce cas, c'est déjà le moment des au revoir. Oh! Voudriez-vous considérer avec indulgence la sentimentalité d'un vieil homme? Mais je serais si heureux d'avoir un souvenir de ces moments que connut notre courte association. Monsieur Beaumarchais. C'est parfait, c'est parfait. Joli souvenir. Merci pour un si joli souvenir de ce voyage aux frontières de la liberté. Merci de tout cœur, ami très cher. Et si vous voulez me permettre, veuillez accepter ceci. Merci beaucoup. Ah, ah, mes enfants, n'ont-ils pas répondu à nos espérances en véritable professionnel, Suzanne, Figaro, Bartolo, je vous salue individuellement et collectivement. De toutes les façons, vous avez accompli une brillante performance. Ah, cher Mingo, grand Mingo, suivez-moi à Paris, je vous en prie. Vous, un authentique Peau-Rouge, l'Indien, enfant de la nature, fils des eaux, des arbres et du vent, et chanteur d'opéra, venez, vous ferez sensation. Faites de moi votre impresario, je fais de Mingo un Crésus. Moi, très bien, ici. Manger toujours, bien dormir. Mingo, restez ici. Que de talent gaspillé. Que de talent gaspillé.